Eh bien, ici à Moscou, après les hymnes nationaux, la situation dans ce groupe, celui de la Suisse et de l'Union soviétique, vous la connaissez certainement, la Suisse est en tête, 3 matchs, 5 points. Le Danemark, deuxième, 3 matchs, 4 points. La Norvège, troisième, 5 matchs, 4 points. Puis les IR, qui n'a fait que match nul hier soir à Dublin, 4 matchs, 3 points. Et l'URSS, 3 matchs, 2 points. Après un début en blanc, il faut le préciser, Engel dans les buts, en défense, Ludi numéro 2, Inalbon numéro 3, Verli numéro 5, Egli numéro 4 et Schellibaum numéro 11. Et puis au milieu du terrain, Geiger 7, Barberis 8, Hermann 6, Bregilis et Brière en attaque, tout seul, esselé face à la défense soviétique numéro 9. Son remplaçant Brachler, Maté de Castel, China, Souter et Burgener, dont on salue le retour en équipe nationale. Et puis, pour l'Union soviétique, qui joue donc en rouge, Dassaïev dans les buts, en défense, Soulak Velizé numéro 2, Larionov numéro 5, Vichevski numéro 3, Demianenko numéro 4, Alainikov à l'itérin avec le numéro 6, Litovchenko numéro 8, Gavrilov numéro 9, Kotsmanov numéro 7, en avant, Protasov numéro 10 et Kondratiev numéro 11. Donc un changement dans les deux équipes par rapport au match de Berne. Chez les soviétiques, en défense, réapparition de Soulak Velizé numéro 2, et il est dangereux. Son tir est très puissant à mi-distance, alors que chez les Suisses, Schellibaum numéro 11, qui doit fermer le couloir de gauche par rapport à Engel, alors qu'ici, il se trouve, oui, bel et bien sur la gauche par rapport à Engel, et lui a pris la place de China. Ce sont les seuls changements par rapport au match de Berne. Résultat, 2-2. Avec un but à l'ultime minute, voire après le temps réglementaire de Egli. Engel. Alors il est clair que, selon toute probabilité, la Suisse s'apprête à livrer ici, au stade Lénine, devant, oui, il y a peut-être maintenant 70 000 spectateurs, une bataille défensive, un seul attaquant de pointe, objectif match nul, je crois pouvoir interpréter ainsi la formation de l'équipe donnée par Paul Wolfisberg. Encore qu'ici, les Suisses attaquent par... Il y avait Brière sur cette action. Et intervention de Verli. Verli qui était tout de même, et c'est à signaler, à 40 mètres de son gardien Engel. Donc Verli a le souci de faire remonter sa défense et d'éviter que la pression soviétique, qui risque tout de même d'être assez forte ici au stade Lénine, ne le soit trop pour... que l'équipe de Suisse puisse garder sa lucidité. Le match sera en effet très très difficile. L'Union soviétique ici est redoutable. Elle avait même battu le Portugal pour la qualification au championnat d'Europe par 5 buts à 0. Barberis, bien joué pour Hermann. Barberis, Barberis à Alainikov, demi défensif de l'Union soviétique qui récupère. Et puis Soulak Velizé, si je ne fais erreur, c'est bien lui avec le numéro 2 qu'on retrouve. Il était présent au Mondial 82 en Espagne, Soulak Velizé. Bregi. Bregi tac, appuyé. Et puis un soviétique au sol, l'intervention de M. Schöter. Un soviétique au sol. Il fait certainement un des deux défenseurs centraux. C'est peut-être Vichnevski qui a joué à Berne. Non, c'est Larionov. C'est Larionov qui est au sol, qui a été touché par Bregi à 40 mètres à peu près de la cage de Dassaïev. Ici à Moscou, il pleuvait tout à l'heure. Maintenant, la pluie a cessé. Le terrain est très, très légèrement gras car il a plu également hier, puis en fin de matinée. Et s'il y a 70 000 spectateurs, il y a certainement à cette affluence, peut-être même davantage que 70 000 spectateurs, deux raisons. D'abord, l'Union soviétique joue son premier match en Union soviétique dans cette qualification. Et puis d'autre part, c'est le 2 mai, mais ici, la fête du travail dure 3 jours, puisque tout est fermé, le 1er, le 2 et le 3 mai. Engel. Retour à Engel après une passe de Inalbon. Verli, Verli, attention. En ce qui concerne l'équipe de Suisse, donc on note la présence de 5 défenseurs en principe. Sur le côté droit par rapport à Engel, le numéro 2 de Ludi, qui doit essayer d'occuper et de bloquer le boulevard là
sur la gauche de l'attaque soviétique. De l'autre côté, dans le même rôle en principe, Schellibaum. Au milieu, Verli arrière libre. Puis Inalbon et Eglise sous les avant-pointe. En principe, comme à Berne, Inalbon sur Kondratiev. Et puis Egli qui prend le rôle en quelque sorte de Ludy, marquerait Protasov. Geiger, lui, est commis à la surveillance de Gavrilov. Puis au milieu du terrain, il y a encore Barberis, le 8, Herman, le 6 et Bregui, le 10, qui joue plutôt dans l'axe, voire sur la gauche. Et devant Brière, qui est en ce moment entouré par 34 soviétiques. Soviétiques qui vont donner un coup de poing à 45-50 mètres de Enger. Kotsmanov. Egli, selon l'arbitre, monsieur Schoeter. Et attention au coup franc donné par les soviétiques. On en a eu un ou deux exemples à Berne, une ou deux illustrations. Généralement, ils tardent à tirer, discutent un peu, et puis tout à coup, c'est le jaillissement. Gavrilov. Bonne balle frappée par Alaïnikov, je crois. Et intervention d'un des juges de touche. On est vraiment écrasé par l'immensité du stade Lénine. Où les joueurs nous apparaissent comme des lilliputiens très très loin des cabines où nous sommes. Nouvelle intervention de M. Schoeter pour une faute Hermann, Heinz Hermann. Ballonnade ratée de Listochenko. Récupération par Schellibaum. Alors on va voir s'il assiste immédiatement. Essayer de jouer en contre-attaque et se développer en contre-attaque. Ce n'est pas du tout le cas. Très profond sorti d'Engel. Engel qui trouve une très longue. Non, pas de touche. Hermann à la réception. Hermann avec Larionov. Shulak Velize. Non, le voici, Shulak Velize. Au centre de la défense, Shulak Velize. Alors, Danianenko à gauche, arrivé d'Alaïnikov. Et puis, sur la droite, vraisemblablement, Larionov. Schellibaum. Schellibaum est là pour lui, il est le plus avancé des Suisses. Il trouve tout de même un appui avec Brezy. Hermann. Hermann tente le tir de loin. À 30 mètres à peu près. Mais enfin, on s'attendait presque à une pression plus tumultueuse, plus folle des soviétiques sur le camp suisse en ce début de rencontre ici au stade Lénine. Et jusqu'ici, tout de même, la Suisse a passé deux fois ou trois fois le milieu du terrain. Gavrilov. Interception Brégui. Ballon récupéré par Geiger. Brière. Encore Geiger. Cherche l'appui avec Ludy. Et Ludy donne une balle. On retient par la tête de cet acteur quand on est dans le sol. Et bon retour d'Egli. Bon retour d'Egli sur cette action soviétique en rupture qui aurait pu être dangereuse. Sur une balle perdue. Si je ne fais erreur, par Ludy. Ludy encore. Barberis, ça peut être très très utile dans la conservation du ballon qui sera vraisemblablement nécessaire à mi-terrain lorsque les Suisses pourront le faire. Hermann. Brière avec Demianenko. Tassaïev. Transversal de 50 mètres. Intervention maintenant Brégui. Geiger. Geiger a évité très bien Gavrilov. Bonne passe de Barberis qui n'est pas arrivé. Puis Protasov. Attention au débarras de Protasov. Inalbon est passé. Il y avait trois Suisses sur l'action de Protasov. Le dernier étant Barberis qui a pu récupérer Ludy. Geiger. Tous les Suisses, à l'exception de Brière, dans l'Ovkion, mais très haut, très loin de Engel, vous en avez la preuve, à 30 mètres d'Engel à peu près, jusqu'à cette 9e minute. L'équipe de Suisse se comporte comme il faut, tout à fait, jouant le plus haut possible.
Encore qu'en certaines circonstances, église ici qui double Verli, soit 10 mètres en retrait par rapport à ses coéquipiers. Ballon perdu par une Albonne, ça peut être très dangereux. Attention à Kiesa sur la droite, c'était Kondratiev. Schellibaum. Alors Protasov, le numéro 10. Verli. On cherche à savoir, Igli est là dans l'image, il vient d'en disparaître. Et apparemment, là, il n'opérait pas, il n'exerçait pas sur Protasov un marquage très serré. Vous avez peut-être Malofeyev dans l'image, l'entraîneur des Soviétiques. Engel. La balle est prolongée jusqu'à Barberis. Mais c'est Schellibaum qui la récupère dans le camp des Suisses. Alainikov, Larionov. Gavrilov, plaque tournante en tapis terrain, interception par Beris, qui a donné un coup de main à Geiger. Gotsmanov. Intervention Ludi, puis Barberis, puis de l'arbitre M. Schröters. Pour une faute soviétique cette fois-ci. Les 10 premières minutes se sont plutôt bien passées pour l'équipe de Paul Wolfisberg. Je rappelle que dans cette équipe, un seul changement par rapport au match de Berne. Disparition du deuxième attaquant qui était China et présence de Schellibaum en défense sur le flanc gauche. Dans le même rôle que Ludi à droite. Ludi dont le rôle a été pris dans ce match en principe par Egli. La tête d'Inalbon qui était fixée cette fois-ci sur Protasov. Geiger. Mais la balle n'est pas récupérable pour les Suisses. Wisniewski. Shulak Velidze en force et en profondeur. Protasov et Inalbon. Alors plutôt Inalbon sur Protasov et Egli sur Kondratiev. Et c'est de plus en plus laborieux et difficile pour les Suisses. Et la balle maintenant ne sort que très épisodiquement de la moitié de terrain des Helvètes. Récupération par Hermann d'abord, puis Brière. Egli. Et apparemment, à distance, là, vu du haut des tribunes, les Suisses paraissent assez calmes, très concentrés en ce début de match. Ils ont évité le couac de Bruxelles lorsque, préparés à se défendre dans un match fameux contre la Belgique, ils avaient encaissé un but à la deuxième minute. Ils ont évité, en tout cas, cette aventure malencontreuse en ce début de rencontre. Shulak Velidze, retour Kotsmanov. Et Ludi, à qui l'arbitre Schröters vient faire une remarque. Shulak Velidze. Wisniewski, balle très très profonde. Geiger. Geiger, pour Barberis, c'est bien joué. C'était bien joué, intervention Wisniewski. Il a joué immédiatement Geiger en profondeur pour Barberis. Toujours à l'affût. Gavrilov. Et ballon récupéré par Engel, qui, il faut bien le dire, n'a pas encore été mis en difficulté de manière sérieuse par l'Union soviétique. Et si la Suisse est acculée de cette manière longtemps, il faudra des nerfs très très solides pour résister. C'était une percée de Damianenko. Ludi. Geiger. Geiger, il a Shulak Velidze devant lui. Remise immédiate, retour à Geiger. Attention, Hermann est parti sur le centre. Ludi, retour de Gavrilov. Geiger, bien joué. Et Ludi. Re-
retour à la position de départ avec Aigli. Bregui, Aigli. Où est Verli? Il est monté dans le cran, il est à mi-terrain. Encore Geiger, une certaine liberté à mi-terrain ici pour Bregui, pour les Suisses qui jouent à un rythme volontairement pas trop élevé. Bregui bien joué pour Brière. Verli, voilà pourquoi Verli était monté. La progression a été certes lente, mais enfin la balle est tout de même arrivée aux 16 mètres soviétiques et Verli s'y trouvait. Ils peuvent à tour de rôle, mais particulièrement Verli, tenir un rôle dans la construction du jeu helvétique. Ludi, comme les latéraux d'ailleurs, enfin les obturateurs de couloirs, selon l'expression consacrée, couloir ou corridor, c'est-à-dire les bandes latérales, les ailes. Et Geiger au coup franc, alors que le soleil fait son apparition sur le stade Lénine. Ballon subtilisé à Heinz Hermann. Larionov. Chouak Felice. Alors Aigli a eu le dessus. La tête d'Inalbon chez Liban. Ils sont en plus de 2000, les supporters helvétiques, mais nous ne savons pas où ils sont dans le stade et compte tenu de notre isolement, nous ne savons pas s'ils manifestent. Attention à ce sens d'intervention de M. Freuters, mais le débordement n'était pas mauvais du tout et le centre bien adressé par Alain Nikoff. Engel. Ils sont cinq soviétiques autour de Brière qui n'est appuyé sur cette action que par Barberis. Il revient à toute allure. Demianenko sur lequel revient Ludi. Demianenko a pu centrer. De l'action de Demianenko, 1-0, centre en fait remarquable et ouverture du score pour l'Union soviétique. Parti, très belle action, il faut le dire. Vraisemblablement Protasov, on va revoir. Alors Demianenko est passé, c'est la feinte, oui c'est donc Protasov, une feinte de Kondratiev qui laisse passer. Protasov est à 10 mètres de la cage d'Engel. On revoit. Barberis d'abord, qui tente de s'opposer à la montée extrêmement rageuse et extrêmement rapide du latéral. Lui aussi, Ludi est en échec. La balle revient après la fin de Kondratiev sur Protasov à notre sens pour le 1-0 des Soviétiques, marqué après 17 minutes de jeu. J'ai l'impression qu'on ne nous a rien appris quant à l'auteur du but soviétique. Il faut dire que cette double réalisation, si j'ose dire, puisque je me permets de répéter que nous avons deux moniteurs qui sont distants de 1m50 à peu près l'un de l'autre, sur l'un desquels on voit le jeu, puis l'autre, certaines phases, certains ralentis. Engel. Et ça n'est pas facile parce qu'on ne sait pas exactement quelle image vous avez, vous, sur votre écran à certains moments. Alors une image du marqueur de but. Verli sur la gauche de marqué Hermann. La balle ne parviendra pas à Hermann, à Lainikov. Puis Gotsmanov directement à Dasaïev. Jusqu'ici il n'a guère touché le ballon et qui est un être presque aussi solitaire que Brière seul en pointe chez les Suisses. Alors 1-0 pour l'Union soviétique par Protasov.
C'est bien ça. Ce n'est pas le but, évidemment, de Paul Wolfsberg, mais je pense qu'à ce moment du match, Wolfsberg signerait peut-être pour une défaite 1-0. Lully, interception. Ça repart par Hermann, l'auteur du but, là, le numéro 10, Protasov au milieu de l'image, puis Brière. Brière qui a éliminé Chulak-Velidze. Verli, Egui pour Lully. On a vraiment l'impression que Wolfsberg a craint la lenteur de Verli. Il le fait le plus souvent possible monter d'un cran, laissant Egui en position derrière. Il n'y a pas d'obstacle, il s'est enlevé par Kondratiev. Mon crochet va le centre. Attention, on va pouvoir s'en sortir, mais avec pas mal de difficultés sur cette action dangereuse menée sur le flanc droit, celui que doit garder Schellibaum. Brégui, qui n'arrivera pas. Si, Brégui est arrivé, il a un espace libre devant lui, mais il est complètement déporté sur l'aile droite. Offside de Barberis sur l'action de Brégui. 20 minutes de jeu, 1-0, Protasov à la 17e minute de jeu. Très joli centre en retrait, très jolie feinte également de Kondratiev. Et volet relativement facile à une douzaine de mètres de Protasov. Le revoici. Attention à sa puissance de tir en pleine course. Protasov, eh bien, c'était pas mal vu là. Il a manqué un petit peu de réaction, le devis qui devait être Litovchenko ou Alainikov. Difficile de le déterminer. Brière. Un petit peu rudoyé. Et tout à fait sacrifié aux avant-postes en ce début de rencontre. Alors coup franc pour les Suisses par Egli. Bonne balle pour Schellibaum. Choc violent entre Schellibaum et Larionov. La balle est au Suisse pour Heinz Hermann, qui est capable de faire des remises en jeu très 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 longues. Déviation de la tête, attention d'Assayev, première intervention. Devant Morveris. Attention à l'arrivée de Egli, un petit peu. Eh ben non, l'arbitre estimait que c'est le joueur soviétique qui s'était baissé et qui avait commis une faute sur Egli. Il est soué à mi-terrain, les soviétiques. Geiger a beaucoup de liberté sur cette action. Hermann. Verli, c'était pour Hermann, interception. Alainikov. Attention au déboulé de Demianenko. Verli. Lully. Barberis en déviation. Non, il ne peut pas. Il est légèrement touché à la cheville par Kotsmanov. Vishnevski. Puis de l'attaque soviétique est très 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 large, très étalé sur toute la largeur du terrain, d'où danger constant. Et ce soin que les Suisses doivent apporter à toucher vraiment le terrain dans toute sa largeur. On revoit un ralenti assez fugitif d'ailleurs. Intervention Chulak-Velidze sur Brière. Schellibaum. Récupération. Bonne balle pour Hermann. En position, il a un petit peu trop tardé. Egli. Lully. Cherche à éviter Gotsmanov. Faute de Gotsmanov et coup franc. À
à 30 mètres pour l'équipe de Suisse, qui, depuis le but, a, semble-t-il, très bien surmonté sa défaillance, puisque maintenant elle est tout entière dans l'équipe de l'Union, dans le camp de l'Union soviétique, ce qui est bien la première fois depuis le début de la rencontre. Tassaïev menacé puisqu'il a joué au point chez Libaum. Libaum qui était revenu, mais l'arbitre M. Schutters Belgique avait sifflé. Egli. Il est marqué de très très près, Barberis. De très très près. Bully ne passe pas face à Demianenko. Attention, si Demianenko a envie de se précipiter dans l'espace libre, ce qui était le cas, mais il y a eu une très bonne intervention défensive ici, ballon récupéré, c'est dangereux parce qu'il y a du monde au centre, attention au centre, au ras du sol, c'est bien joué, bonne balle pour Kondratiev, Hermann, plus dangereux par la gauche, comme à Berne d'ailleurs, les soviétiques sur le flanc, donc droite de la défense helvétique, grâce à Demianenko en partie, et puis par leur centre en retrait, Egli est intervenu sur une action de Kondratiev et remise dégagement aux 6 mètres pour l'équipe de Suisse. 25 minutes de jeu dans cette première mi-temps. 1-0. 17e Protasov pour l'Union soviétique. Dégagement de Engel. Mais sans conséquences fâcheuses, il a été repris par un soviétique chez Libaum. Brégui. Geiger. Appel de balle dans l'axe du terrain de Brégui. Chez Libaum n'a pas été assez prompt. Est-ce que sa vitesse de course va lui permettre de récupérer ce ballon, toujours chez Libaum avec Alaïnikov, puis Larionov. Brégui. Brégui qui n'a d'autres ressources que d'essayer de passer en force, mais qui est constamment... littéralement cerné par trois défenseurs soviétiques, en tout cas en de nombreuses circonstances. Un plan de Tassaïev, coup franc pour la Suisse par Heinz Hermann. Il y a peut-être une possibilité à côté, avec un joueur qui jouait les innocents à côté d'Hermann. Pas soviétique sur l'action de rupture. Récupération par Verli, c'est curieux. Il n'y en avait que sur l'aile gauche. Marqué d'ailleurs par Ludi. Hermann. Barberis. Il laisse filer le ballon derrière lui. Demianenko. On aurait tendance par instant à considérer que l'orage est passé, que la poussée soviétique a été plus nette aux environs du quart d'heure, avec une concrétisation à la 17e minute par Protasov, mais que depuis la 20e minute, c'est-à-dire maintenant depuis 8 minutes approximativement, la Suisse a pu se dégager et porter la balle dans le camp des soviétiques. Alaïnikov, retour Vichnevski, Alaïnikov. Bonne utilisation là le long du couloir. Est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin chez les soviétiques? Engel devant Gavrilov. Engel à qui dégager? Eh bien, ils sont deux devant, Barberis cette fois-ci et Brière. Brière
pas s'il résistera longtemps au laminage opéré par les défenseurs soviétiques. Enfin, il obtient de temps en temps des coups francs, comme celui-ci à 35 mètres de la cage de Dassaïev, tiré par Hermann. Attention, il y a Ludi sur l'aile gauche, qui était monté pour placer un coup de tête. Schellibaum. Ça ne sera pas facile de passer, ils sont peu le long. Mais Schellibaum passe. Schellibaum passe, il a Brière à côté de lui. Long centre, Brière en pivotant. Bonne action helvétique ici à la 29e minute de cette première mi-temps. Avec en guise de conclusion, ce tir en pivot de Brière après cette action de Schellibaum qui a tout de même éliminé deux hommes, dont Gavrilov chez les Soviétiques, avant de centrer pour Brière. Pas trop de danger tout de même pour le gardien d'Assaïev. Engel tarde à sortir, là il y a eu une mésentente en défense. Et monsieur Reuters avait sifflé et accorde ainsi un coup franc à l'Union soviétique à 35 mètres de Karl Engel, que voici dans le mur. Hermann, Geiger et Bregui, et puis Verli sur les 16 mètres, puis Egli qui contrôle le Gavrilov ici. Balle piquée, sortie d'Engel, oui, c'était le moment. Devant Kondratiev, qui décidément va très 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 vite, Kondratiev, on revoit l'action. Schellibaum. Brigui pour Schellibaum, à qui la balle a échappé. Et intervention de Verli, qu'on voit beaucoup dans cette première mi-temps. Deux très bonnes actions soviétiques dans cette première mi-temps. Une ponctuée par le but de Protasov et une deuxième action, du même style d'ailleurs, il y a quelques minutes. Une certaine domination, mais pas aussi écrasante que certains le prévoyaient. Et sur les dégagements d'Engel, comme ici, en pointe avec Brière, il y a tout de même Barberis. Et puis Heinz Hermann, en tout cas en cette circonstance. Hermann, déviation pour Brière. Bonne remise, c'est bien joué pour Brigui. Appel de balle de Barberis sur la gauche, espace libre sur la droite, Brigui. Schellibaum, il a Hermann à côté de lui. Mais ce n'est pas mal, maintenant, depuis quelques minutes, les Suisses, parviennent à construire quelques actions diverses. D'ailleurs, présence d'Egli sur l'aile droite. Egli a passé. On ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. On ne sait pas très bien quand l'arbitre intervient. Dassaïev, Demianenko. Judy sur le chemin de Demianenko. Donc un rock. Monsieur Schetter estime que l'intervention de Ludi est trop violente, irrégulière. Avertissement à Heinz Ludi qui barrait la route à Demianenko, dont on a vu le rôle important qu'il a tenu sur le premier but, puisque sur cette action, venue de très loin, il avait résisté d'abord à Barberis, puis à Ludi, avant d'adresser le centre que Protasov a transformé en but. Attention Kondratiev. Offside. Le linesman n'a pas hésité une seconde. Offside de Kondratiev. Il y a les droits au but dans l'axe là. Alors toujours 1-0 après 33 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Ou dès la 20e minute, il faut dire que la Suisse a
remonter le terrain comme le courant, parvenant depuis la 20e minute approximativement à souvent se situer et porter la balle dans la zone de jeu des Soviétiques, dans la partie médiane des Soviétiques. Basayev. Hermann. Schellibaum. Breguy. Einzermann, des possibilités pour lui sur la gauche avec Brière, puis de l'autre côté avec Caillère, mais il faudra y aller de l'autre côté parce qu'il y a un mur rouge à franchir. Litovchenko. Et puis Laryodov. Gavrilov, déviation pour Gotsmanov. Attention à ce Gotsmanov là sur le flanc droit, il est dangereux. Protasov est sur l'aile droite en ce moment, marqué par Inalbon. Il y a eu des permutations, mais on peut dire qu'en fait, c'est Inalbon qui contrôle Protasov, alors qu'il avait laissé Kondratiev qu'il marquait au début de la rencontre. Gavrilov, qui va laisser un ses coéquipiers, intervention, offside. En l'espace de 3 minutes, 2 offsides consécutifs qui mettent un terme à des actions soviétiques qui auraient pu être dangereuses. La première l'a été d'ailleurs, puisque Kondratiev a pu marquer, mais le but a été annulé. 35 minutes de jeu, il en reste 10 dans cette première mi-temps. Toujours 1-0, Protasov, 17e minute pour l'Union soviétique. Egli. Donc Verli est monté, il est décalé, il est à mi-terrain, offrant une possibilité de passe et d'appui supplémentaire. Attention, Barberis qui soulève la balle en direction de Breguy, sans succès. Ça va repartir très vite parce qu'il y en a des deux côtés. Il y a Kondratiev, je crois, sur la gauche. Oui, c'est lui, face à Ludy. Egli et Kondratiev. Trouve-t-on de l'autre côté la tête d'Inalbon. Pas grand monde devant lui, sinon Barberis qui est en pointe et puis Hermann qui est sur l'aile gauche. Ensuite, Ludy réussit à donner sa passe dans son propre dos. Voilà. Voilà qui est fait le long de la ligne à Heinz Hermann. C'est mieux. Ludy encore. Brigger. Non, on n'a pas pu récupérer. Bien joué. Et maintenant, Choulek Vélizé. Emianenko. Hermann, est-ce que Hermann réussira là où deux Suisses ont échoué tout à l'heure sur la compte de Mianenko? Attention, il va être sur ça. L'arbitre se perd, là, n'a rien dit pour le moment, il laisse l'action se poursuivre. La balle revient, et c'est 2-0. C'est 2-0. Les Suisses interviennent, Engel est fâché. On avait le sentiment d'un pénalty que l'arbitre a laissé aller, et l'Union soviétique porte le score à 2-0. Je vous avoue, on ne sait pas très bien par qui, peut-être par Gavrilov, ça n'est pas certain, ou Gotsmanov. Est-ce que l'image là n'est pas très claire? C'est Kondratiev qui réussit le dribble, mais ce n'est pas lui qui tire. 2-0, c'est Protasov encore, le numéro 10, comme tout à l'heure, 2-0. On avait remarqué sa puissance de frappe et sa valeur au match allé à Berne. On en trouve aujourd'hui une confirmation aux dépens de l'équipe de Suisse. 39e ou 37e minute plus précisément, 2-0 par le même Protasov. C'est ici marqué, vous l'avez dans l'image, par Egli. Schellibaum. Attention Gavrilov. Gavrilov. La balle a passé pour Kondratiev. Oula, Engel, et je crois que c'était encore Protasov. Non, c'était Litovchenko. Hermann. Mais ce n'est pas certain. C'était peut-être bel et bien Protasov. Breguy. Breguy, en position Breguy, et cueilli à l'orée des 16 mètres par un défenseur qui doit être Wisniewski, le numéro 3. Alors un coup franc, une chance pour l'équipe de l'Union soviétique, l'équipe de Suisse, pardon, à 6 minutes de la mi-temps. C'est la meilleure chance jusqu'ici apparemment. C'est le coup franc le plus proche de Dasayev. C'est donc pour Breguy. À côté de Ilya Schellibaum, puis Heinz Hermann. Est-ce que Breguy va tenter le tir direct ou passer latéralement à Heinz Hermann?
Reguier. Il a levé alors beaucoup trop haut son ballon par-dessus le mur soviétique sans inquiéter Dassaïev. Et à quelques 6 minutes de la mi-temps, la Suisse est menée par 2 à 0. N'a que très très peu inquiété le gardien soviétique. C'est-à-dire que maintenant la question qui peut se poser à Paul Wolfisberg et à l'équipe nationale dans son ensemble, c'est faut-il essayer de limiter les dégâts avec cette formation de tendance défensive qui a été alignée au début du match ici à Moscou, il faut-il la modifier avec l'espoir d'obtenir un but, de revenir au score face à cette équipe de l'Union soviétique qui joue pour la première fois sur son sol, qui a joué 3 fois à l'extérieur faisant 2 points, un à Berne et puis un en Norvège, perdant en Eir à Dublin, et qui certainement va faire ou essayer de faire le plein de points ici sur ces 4 matchs, c'est-à-dire 8, qui porterait son total avant d'aller jouer, enfin son total sans tenir compte du match à jouer au Danemark, à 10, ce qui paraît un total suffisant pour se qualifier pour le Mexique dans un groupe où 3 équipes sont assez proches les unes des autres, si l'on considère les résultats obtenus jusqu'ici. De l'inquiétude, de l'anxiété dans le visage de Karl Engel, 2 buts en moins de 40 minutes, c'est beaucoup. Il reste maintenant 4 minutes à jouer. Ce qu'il faut éviter, en tout cas, c'est le 3e avant la pause. Gavrilov, grand centre avant, par la taille et aussi par le talent. Engel relâche. 3-0. 3-0. Erreur d'Engel. Alors, centre tendu et 3-0, mais par qui? Kondratiev peut-être. C'est une catastrophe pour l'équipe de Suisse que ce 3e but. À notre sens, c'est Kondratiev qui a marqué. Alors le centre de Gavrilov, la sortie d'Engel, puis un homme qui surgit là derrière la défense helvétique. 3-0, ceci à la 41e minute. Kondratiev en effet, sur une erreur d'Engel, mais il faut dire que le centre-tire, le coup franc adressé par Gavrilov était assez redoutable. Alors 3-0 Kondratiev, c'est évidemment beaucoup. Pour monter tout de même assez loin pour enregistrer un résultat négatif aussi net. Il y a eu des 3-0, certes en Hongrie, en Belgique, en Hongrie 2 fois, en RDA, mais c'était au terme de la rencontre. Et puis il y a même eu récemment, je parle ici des matchs joués sous l'ère Wolfisberg, il y a eu également un 4-0 concédé face à l'Espagne à Genève en mai 1984. Mais en tout cas, sur le plan comptable, c'est l'échec en première mi-temps avec 3 buts encaissés, 2 de Protasov, 1 de Kondratiev par Engel. Alors tous les plans de l'architecte sont à l'eau. De l'architecte Wolfisberg sont à l'eau. Cette équipe défensive, ce n'est pas la première fois, n'a pas réussi dans sa mission. Ce fut le cas à Bruxelles. Et pour transformer une équipe défensive en équipe offensive à la mi-temps, ça n'est pas très facile, mais il y aura vraisemblablement des changements en deuxième mi-temps. Coup franc, Bregui, Hermann. Et dit sur la voie, Bregui. C'était un peu mieux cadré que tout à l'heure. Un peu mieux. Le mur est passé, mais il manque encore, il faudrait que la balle retombe de 50 cm à peu près, que la trajectoire soit corrigée assez sensiblement pour que Dassaïev soit inquiété. Schlibaum, ballon perdu, heureusement c'est Inalvon qui a récupéré. Hermann. Les Suisses donnent l'impression de courir beaucoup, de s'époumoner en vain, cherchant leur adversaire, courant
derrière une balle qui devient de plus en plus insaisissable en cette fin de première mi-temps. Les Suisses ont connu pourtant une assez bonne période de la 20e à la 35e minute, alors que vraisemblablement l'Union soviétique reprenait son souffle après sa domination initiale. On sait que l'Union soviétique manie particulièrement bien l'art d'accélérer et de ralentir le jeu, qu'elle sait attendre son heure, qu'elle sait spéculer aussi sur la faute de l'adversaire, mais dans ce match-là, il faut bien dire qu'elle a su créer la faute de l'adversaire. En tout cas, sur les deux premiers buts. Udi. Bien lui est passé, et Guy aussi, un homme surgit dans le dos de la défense. Udi ne sait plus que faire. Sauvetage miracle, tête de Kondratiev. Action dont la phase finale a été plutôt curieuse, mais la défense a été complètement submergée par cette action. Elle n'attendait pas le jaillissement de Kondratiev ici, qui n'a fait qu'effleurer la balle. Lui, il reste un petit peu sans réaction. Puis, en premier tir détourné, Kondratiev a suivi, plonge et porte la marque. Alors là, c'est la catastrophe. Cette fois-ci, c'est la catastrophe. 4-0, on n'osait pas vraiment... On ne pensait pas à un pareil effondrement de l'équipe de Suisse. Certes, les pronostics n'étaient guère optimistes compte tenu de la valeur de l'adversaire et du dispositif qui était là vraiment pour tenir jusqu'à la mi-temps. Pour laquelle nous vous donnons rendez-vous. Il est bien de 4-0 à les 45 c'est-à-dire que sur le plan... Sur le plan comptable, c'est vraiment le score le plus lourd enregistré depuis très très longtemps. On se met à penser avec certaines inquiétudes au 8-0 encaissé contre la Hongrie en 1959 à Budapest par une équipe nationale. 4-0 de réussite de Protasov, 2 de Kondratiev. Et le score est certes un peu lourd, mais il traduit l'affolement de la défense helvétique lors de la poussée finale, surtout de l'équipe soviétique, mais poussée finale préparée par la supériorité soviétique dans le domaine de la vitesse en particulier, face à une défense qui a déjoué depuis le début de la rencontre. On ne sait pas s'il y a eu des changements ou un changement peut-être dans l'équipe de Suisse. Il nous semblerait que Barberi s'est sorti et qu'on a introduit un autre attaquant qui pourrait être Maté, mais nous ne sommes pas renseignés. Et on va essayer de le voir par l'image maintenant, si ce changement a été opéré. Et à nouveau, une situation très chaude devant Karl Engel a été opérée par Paul Wolfisberg, pour lequel cette journée sera véritablement désastreuse. On se demande si les douaniers soviétiques... l'ont retenu à la frontière et l'ont démuni de les oignons qui l'ont tenu compagnie pendant le début de la campagne helvétique sur le plan de ces championnats du monde de Mexico 1986. Le Mexique paraissant bien bien loin aujourd'hui après cette débâcle de la première mi-temps, 4-0. On s'est permis de rappeler au début du match qu'ici même le Portugal, qui avait ultérieurement pourtant disputé le championnat d'Europe en France en 1984, avait perdu ici 5-0. C'était un rappel cruel, mais qui a trouvé ici une plus cruelle encore illustration. L'équipe de Suisse ayant été particulièrement malmenée au début du match, et puis surtout depuis la 35e minute. Et en l'espace de 8 minutes, l'Union soviétique a marqué 3 fois. Longue balle de Larionov. Il semble bien que Barberis ait quitté la pelouse. Et qu'un deuxième attaquant soit aligné par Wolfisberg, on craint qu'il ne soit trop tard. Ça doit être Maté, mais on n'en est pas certain. Prigi dans l'image. Hermann. Dégagement hasardeux, balle peut-être récupérée par Briguer. Retour Prigi. Encore Hermann face à Larionov.
Hermann a fait passer Larionov comme une faute, intervention de M. Schröter. On n'entend pas, on ne sait pas si le public soviétique vibre aux exploits de son équipe qu'il a retrouvée. Donc, je rappelle que c'est la première apparition de cette équipe soviétique dans le cadre de ce championnat du monde, de ses qualifications pour le championnat du monde. 4 buts en première mi-temps, c'est évidemment un exploit. Alors, il n'y aurait pas de changement, semble-t-il, dans cette équipe de Suisse. Barberis serait sur la pelouse. La tête de Gotsmanov et intervention de l'arbitre. Pas de changement dans l'équipe de Suisse. Oui, Barberis, c'est bel et bien là. Pas de changement non plus, bien sûr, chez les Soviétiques, dont les deux attaquants de pointe, Protasov et Kondratiev, qui étaient marqués individuellement, ont marqué deux fois chacun. Ils avaient d'ailleurs manifesté déjà leur valeur à Berne lors du match du 2-2. Et ce soir, il a éclaté, comme a éclaté la défense helvétique. Alors, Larionov, il a du champ libre, Larionov, renvoie de Egli, puis Schellibaum, Wisniewski, tous les Soviétiques dans le camp des Suisses. Ils vont pouvoir peut-être sortir de leur zone par Hermann. Les plus pessimistes, enfin ceux qui passaient pour les plus pessimistes avant la rencontre, pouvaient penser éventuellement à un 3-0. Et se disaient qu'avec une défaite de 2-0, la Suisse s'en tirerait bien parce qu'elle ne connaîtrait pas la Suisse toujours la même dose de chance qu'elle a connue dans le match contre la Norvège, en partie contre le Danemark, voire à Berne contre l'Union soviétique. Mais personne n'allait jusqu'à un 4-0, surtout à la mi-temps, car on ne voit pas comment les choses pourraient s'arranger pour l'équipe de Suisse face à cette équipe d'Union soviétique qui, en fait, à l'exception des 4 buts, ne s'est créé que 2 ou 3 autres occasions. Sortie de Dassaïev, qui ne relâchera pas la balle devant Barberis. Gotsmanov. Hermann. C'est sur le plan de la vitesse que l'écart entre les deux formations paraît le plus grave. Brugger avec Chudak-Pelice. Corner pour la Suisse par Brugger. Guy, très très longue balle, Dassaïev laisse aller dans son dos. Et corner de l'autre côté par le même Brégui. Egli est là. La balle est remise. Offside. Sur cette remise-là, face à Dassaïev, qui d'ailleurs n'aurait pas été trompé. Comptable, celui des points, la défaite n'est pas très très grave, 4 matchs, 5 points, la Suisse est encore dans la course, mais alors sur le plan des buts encaissés, sur le plan de la différence de buts, c'est une véritable catastrophe, et surtout sur la base de la démonstration qu'a faite l'équipe nationale en première mi-temps, on doit se demander si on ne vivait pas dans l'illusion depuis l'automne de l'an passé. Demianenko.
encore qu'on intervention là sur Alaïnikov, encore que certains journalistes aient tiré la sonnette d'alarme en certaines circonstances, ne se laissant pas abuser par les résultats un peu chanceux, et au travers de ces résultats, constatant la part de chance qu'avait eu l'équipe de Suisse lors des matchs contre la Norvège, voire le Danemark et l'Union soviétique. On doit, à la vérité, de le rappeler, pour nos confrères de la presse écrite, Suisse romand en particulier. Brugger, il a réussi à faire passer la balle, mais c'est tout ce qui a passé parce que Ludy ne s'était même pas propulsé sur l'aile droite. Ludy qui a connu, il n'est pas le seul d'ailleurs, une première mi-temps catastrophique sur le flanc droit de la défense helvétique. Alors, Tassaïev. Balle de Protasov en profondeur et intervention une nouvelle fois irrégulière de Ludy qui véritablement ne sait plus très bien où il en est, ne sait plus à quel adversaire il a affaire et qui à chaque coup presque accroche le dit adversaire, ici permettant à l'Union soviétique de tirer un coup franc à 25 mètres. Peut-être un peu plus, une petite trentaine de mètres. Avec Ilya Kondratiev, il doit y avoir Gavrilov, puis derrière Vishnevski. Alors Gavrilov, Kondratiev, Protasov et puis Litovchenko sur l'avant. Protasov, Litovchenko. De peu. De très peu. Ceci après 8 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, toujours 4-0. Ceux qui se seraient absentés trop longtemps, qu'ils se rassurent, il y a toujours 4-0. Le score n'a pas été aggravé. La Suisse a tiré deux corners tout à l'heure, aux environs de la cinquième minute. C'est tout. Très longue balle pour Brugger. Interception Vishnevski. Tassaïev. Demianenko. Alors, s'il en a l'intention et le loisir, il pourrait à nouveau faire des dégâts parce qu'il est parti très vite là-bas sur la droite pour poursuivre l'action relayée par un de ses coéquipiers, Kotsmanov. Larionov. Larionov et Chelibaum, Larionov. Gavrilov, pour qui Alaïnikov, la balle ne passe pas. Alors que c'était bel et bien Demianenko qui suscitait la passe en profondeur dans l'axe face à Engel, là. Brugy. Un temps de retard, ballon récupéré par les Soviétiques après la tentative de passe de Brugy. Kosmanov donne immédiatement le coup franc. Demianenko. Mauvaise transversale, non, mais ce n'était pas Demianenko, c'était Kondratiev. Encore Brugy avec Litovchenko, Virli, Hermann et Brugy. Brugger, retour à Brugy qui paraît bien disposé. Il a du mérite parce que dans ces conditions-là, pour retrouver un embryon de morale, il faut le faire. Alors Tassaïev, qui aura vraisemblablement connu la première mi-temps la plus tranquille de sa carrière internationale, Larionov. Kondratiev avec Inalbon. Kondratiev, non, il ne s'en sortira pas et pourtant il a été... Il a failli extraire cette balle d'une mêlée où il était rudoyé par Inalbon. Virli. Engel. Long dégagement. Barberis. Contrôlé par Demianenko. Gavrilov, bien joué. Finement joué de l'extérieur. Kotsmanov. Kotsmanov dans l'axe. Ballon récupéré par Ludy.
qui donne alors une image d'affolement parfaite. Damien Lecco en position, il est pris la voie de Tegli, mais Lutier est revenu sur Damien Lecco et Brière. Faute commise sur un Suisse. Certains pensaient que les points faibles soviétiques résidaient dans la défense, et particulièrement du côté de Larionov numéro 5 et Vichnevski numéro 3. On n'a pas eu l'occasion de faire le constat, puisque Larionov que voici et le numéro 3 Vichnevski n'ont pas été beaucoup sollicités par l'attaque helvétique inexistante. Demianenko, il a décidé, lui, qu'on ne s'arrêterait pas à 4-0 Demianenko, et c'est la troisième fois qu'on le voit, cette fois-ci dans l'axe du terrain, tenter la percée. Herman, l'intervention de M. Schreuters. 40 mètres de la cage de Karl Engel. Souffrant peut-être par Litovchenko ou Alainikov, Kondratiev, Larionov. Il joue haut par les soviétiques, une petite accélération. Et arrivé le Kondratiev qui à chaque coup surgit derrière les défenseurs. Bregui transversal pour Verli, devant Verli, Egli. Ils n'ont pas été plus à l'aise que Ludi et Chedibaum en première mi-temps. C'était une balle pour Egli qui était monté. Il y a quelques Suisses qui y croient encore, qui cherchent tout de même à créer le danger. Gotsmanov. Transversal par Protasov pour Gavrilov. Gavrilov, longue balle pour qui? Demianenko. Alors attention, Demianenko face à Ludi. Demianenko cherche à passer le long de la ligne de touche. Il ne passera pas. Mais il obtiendra le corner. Il avait pourtant une possibilité avec Gotsmanov. Il a préféré l'affrontement direct avec Ludi. On a vu le visage de Geiger qui traduit, ma foi, assez bien le désarroi total de l'équipe de Suisse. Ballon rabattu sur... Je crois que c'était Gotsmanov, n'en suis pas du tout certain. Larionov. Alainikov, petite balle levée, mais pas très bien. Ballon récupéré par Geiger. Remise, Bregui, Geiger, ballon à nouveau chez les soviétiques. Gotsmanov, beaucoup de possibilités pour le porteur du ballon, malgré le regroupement défensif des Suisses. La tête d'Hermann et Kondratiev, une nouvelle fois, qui coupait et qui cherchait à récupérer, là, sur la tête d'Hermann, cette balle qui est allée jusqu'à Engel. Un changement chez les Suisses. On va voir arriver, deux joueurs vont sortir, Bregui et Barberi. Et puis Maté et Brasler vont entrer. Alors tout d'un coup, on va se retrouver à trois attaquants à une demi-heure de la fin. Christian Maté et Manfred Brasler pour Bregui et Barberi. Trois attaquants après avoir joué la première mi-temps avec un seul Brière. Il n'ira pas jusqu'à dire qu'il eut peut-être fallu faire le contraire, mais on attend toujours en Europe, alors que Gavrilov a servi Protasov. Protasov a évité une Alban. Petit ballon, ça c'est bien joué. Voilà, le sauvetage. Sauvetage par Egli, c'était le cinquième par Litovchenko, si Egli n'était pas revenu cette fois si rapidement. On va revoir l'habileté de Protasov qui donne une petite balle en retrait pour Litovchenko. Et ils sont nombreux, il y a Litovchenko, mais il y en a d'autres à qui Protasov aurait pu donner ce ballon. Gavrilov sur le corner. Gavrilov Engel.
n'a pas dû s'amuser en première mi-temps. Certes, il a commis une erreur sur le coup franc du même Gavrilov qui a permis à Kondratiev de marquer et de porter le score à 3-0. Mais devant un quintet aussi affolé devant lui, on ne saurait lui adresser de trop vives critiques. Gavrilov. Bonne remise de Gotsmanov, c'était bien joué là, très rapidement. Et les Suisses courent, Mazé est arrivé trop tard. Litovchenko, Gotsmanov, retour Gotsmanov. Et qui s'est rué, la Suisse va pouvoir se libérer par Mazé. Nouvelle apparition assez timide du soleil sur le stade des Lignes, où la Suisse est menée à 30 minutes de la fin, un peu moins 28 minutes de la fin, par 4-0. Et Mazé, par sa montée offensive, a obtenu quelque chose, un coup franc à 20 mètres de la cage de Dassaïev, par Hermann. C'est Gavrilov qui fait écran avec un de ses coéquipiers, Gotsmanov devant Hermann. La volée là a failli réussir. C'eût été le premier tir adressé vraisemblablement dans le cadre. Début de Dassaïev. Kondratiev. Professor. On attend toujours, disons-nous tout à l'heure, l'équipe en Europe, dans le monde, qui aurait l'audace d'aller jouer à l'extérieur avec trois attaquants, se disant que contre l'Union soviétique, ça aurait pu être la Suisse qui aurait tenté de tenir ce rôle. Jouant contre l'Union soviétique, on ne pouvait guère que comptabiliser de points et que il eût été peut-être plus gênant pour les soviétiques d'affronter une équipe curieusement offensive à l'extérieur. On sait que ce genre de fantaisie n'est pas très courant dans le football. Mais finalement, lorsque par son dispositif tactique, dans l'alignement des hommes, on accepte d'être dominé, il ne faut pas être très surpris d'être mené largement à la mi-temps. On sait que même la Juventus, qui est pourtant passée maître dans l'art de conserver un résultat à l'extérieur, l'a conservé certes récemment à Bordeaux, mais tout de même en connaissant une fin de match relativement difficile. Hermann. Mazé. C'est pas un cadeau que d'entrer ici au stade Lénine alors que le score est de 4-0 pour Mazé, qui avait fait deux apparitions jusqu'ici sous le maillot national, alors que Brachler est plus expérimenté. Brachler qui n'a pas encore touché la balle d'ailleurs à l'aile gauche. Egli, attention à Gotsmanov. Ballon récupéré par Brachler. Brachler, il a pris bien sur sa droite. Mazé qui est parti sous l'aile gauche. Et un bon tir dans le petit filet, certes à l'extérieur, mais enfin un tir d'une certaine puissance, mais intervention du juge de touche. De Schellibaum à Inalbon. En ce début de deuxième mi-temps, les Soviétiques donnent l'impression de prolonger le 1er mai, de profiter pleinement de leur deuxième jour de vacances, puisqu'ici cette fête se joue. Cette fête dure 3 jours. Sous l'Arc d'Élysée. Alors, Demianenko de l'espace. Avec lui, il pourrait y avoir des dégâts dans la défense helvétique. Demianenko relais avec Alaïnikov. C'est un schéma classique. Alaïnikov, petite passe, une touche de balle. Gavrilov. Gotsmanov, Gavrilov, Geiger court en vain, remise d'Emianenko, Litovchenko, ça tourne à la démonstration, ça en devient gênant, Gavrilov encore, et la balle ne passe pas cette fois-ci. Et cette balle avait peut-être franchi la ligne de fond.
sur l'action de l'avant-centre du Spartak de Moscou, qui est le coéquipier du gardien d'Assaïev. Il y a des joueurs de plusieurs centres ici, de plusieurs grandes villes. C'est un amalgame de Dniepr, de Minsk, de Tbilissi, encore que de Tbilissi, il n'y ait qu'un joueur, c'est-à-dire Shulak Velidze, de Moscou bien sûr, et même de Leningrad, avec la présence d'un joueur de Zenit Leningrad, c'est-à-dire Larionov. Chelibor. Ils ont l'air complètement déboussolés, les Suisses font preuve d'une bonne volonté évidente, mais c'est à peu près tout ce qu'ils manifestent sur ce stade des lignes. Chelibor. Chelibor centre arrivé. C'est Brassler, Priker face à Demianenko. Paraît aussi efficace dans le jeu défensif que lors de ses montées en avant, dont on a vu quelques exemplaires en ce début de deuxième mi-temps et en première mi-temps surtout. Brassler. Pour Maté. Et Amanda Saïev, c'est ce qui est en difficulté. Saïev, très très longue balle, mais le soviétique est en pointe et tout seul. Alainikov, Brassler. Monsieur, je préfère un site Brassler un petit peu plus de modération. Shulak Velidze. Gotsmanov, ça passe pas. Kaman. Et le pauvre Maté face à Shulak Velidze. Ou plutôt à Vishnevski. L'impression d'écrasement est terrible vu d'en haut de la tribune. Les joueurs ont vraiment l'air complètement dominés par les événements. Les joueurs suisses, bien sûr. On avait déjà au début de ce match, à la présentation des équipes, lorsque les Suisses sont entrés sur la pelouse, une impression assez désagréable de petitesse dans cette immensité du stade Lénine, compte tenu de l'option défensive du coach et de l'équipe nationale. On a vraiment le sentiment que rien ne pouvait se passer de très glorieux pour l'équipe de Suisse aujourd'hui. Certes, entre la 20e et la 35e minute, on a eu au moment où les soviétiques paraissaient lever un peu le pied, le sentiment que la Suisse pouvait, non pas refaire son retard, mais enfin tout de même équilibrer un petit peu plus le jeu. Brassler. Avec Larionov, la supériorité physique, technique des soviétiques est très 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 nette. Protasov, dans toutes les phases de jeu, on peut la constater. Gavrilov, non. Ludi, Hermann. Geiger. Briguet au sol après en contact avec Shulak Velidze qui ne le ménage pas. On revoit leur apparition d'un nouveau joueur soviétique, le numéro 15, qui est Cherenkov, qui est sorti, semble-t-il, pour Kondratiev. Alors, Cherenkov de Spartak Moscou, ça fait trois moscovites sur la pelouse du stade Lénine. Cherenkov, qui
n'était pas apparu dans l'équipe soviétique lors des dernières rencontres jouées par les Russes, en tout cas pas dans cette phase éliminatoire de la Coupe du Monde. Bonne balle, retour à Alenikov qui a tiré sur son coéquipier Gavrilov. Mais la balle ne quitte pas les pieds soviétiques. Larionov, elle échappe alors aux Suisses. Larionov débarqué sur la gauche. Retour de Verli et de Ludy. Ludy, si l'image nous le montrait, cherche son adversaire, mais ne sait plus très bien où le trouver, même sur corner, c'est-à-dire sur une action arrêtée. Hermann sur une passe de Geiger, toujours Hermann. Il paraît difficile aux Suisses de conserver simplement le ballon. Geiger, tentative de deux balles trop longues pour Geiger. Tassayev. Protasov. Alenikov. On aimerait voir Demianenko un petit peu. Voici Gotsmanov. Sagement le long de la ligne, le numéro 4 des soviétiques, Demianenko, attendant une passe latérale qui aurait pu lui être donnée là par Choulak Felizé, qui visiblement a changé d'avis. Eh bien non, Demianenko, Alenikov, Demianenko et Maté, Demianenko, il a l'appui d'Alenikov sur la gauche. Alenikov, mais cette fois-ci tout de même, la défense suisse par Verli est intervenue. Hermann. Une impuissance totale manifestée par l'équipe de Suisse et illustrée par un plan ici de Ludy. Et l'URSS qui avait commencé relativement modestement cette phase de qualification redevient vraisemblablement le favori. Dans ce groupe où il y a encore le Danemark. Verli. 28 minutes de jeu, encore 17 minutes. Toujours 4-0. Les 4 buts ont été marqués en première mi-temps. Protasov 17e minute, Protasov 37e minute, Kondratiev 41e minute. Première balle touchée par Cherenkov. Pas beaucoup de succès pour le joueur du Spartak de Moscou. Et puis Kondratiev 45e minute, 4-0. Final bon. Une passe de Zavolt récupérée par Gotsmanov ou Alenikov. C'est Gavrilov qui est au sol. La prochaine intervention apparemment de Egli. Ça n'est pas certain. Le 14, c'est Beladov de Dynamo Kiev à qui parle Malov Eyev. L'entraîneur soviétique dont on disait après le match de Berne qu'il avait en main une équipe en formation mais d'avenir et qui en fait aujourd'hui une assez brillante démonstration aux dépens d'une équipe de Suisse alors complètement déboussolée dès le début de la rencontre qui ne s'est reprise que partiellement au milieu de la première mi-temps avant de s'effondrer de la 37e à la 45e minute. Alors c'est Vitovchenko qui sort et c'est Belanov. Belanov pour Vitovchenko. Номер 14.
Bonne remise directe. À une touche, le jeu, pas de complications. Très collectif à deux ou trois joueurs. Bachelet, il est très 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 loin du but puisqu'il doit venir chercher la balle dans son propre camp à 20 mètres à peu près de la ligne médiane. C'est dire quel chemin lui reste à parcourir pour aller inquiéter Lassaïef. Wisniewski. Larionov d'Assaïef. Il est indiscutable qu'en deuxième mi-temps, les Soviétiques ne forcent pas trop leur talent. Kerenkov, interception Virli. Mais leur facilité, la facilité qu'ils expriment dans les mouvements, dans la construction du jeu, aggrave encore l'impression de lourdeur et d'impuissance de l'équipe suisse. C'est Bratzler. La balle a franchi, hélas, la ligne de fond. Mais là, Bratzler s'en était bien sorti et a failli réussir une percée solitaire de 30 mètres approximativement. Ceci à 13 minutes de la fin. Assaïef. Cherenkov. Certains disaient hier que la pelouse du Stade Lénine n'était pas très bonne, mais ce n'était pas l'opinion de Paul Wolfisberg et de la majorité des joueurs. Mais là, ce raté technique de Cherenkov pourrait peut-être nous prouver le contraire. Alors Engel. Inalbon. Verli. Aigli a beaucoup d'appels de balles devant, sinon de l'inlassable Brière. Demianenko, Protasov offside. Il n'y a plus de milieu de terrain chez les Suisses, il n'y en a pas eu beaucoup d'ailleurs en première mi-temps. Enfin, il y a trois attaquants qui attendent que leur défenseur leur donne des balles. Maté préserve son ballon malgré trois soviétiques. Ludy. Heinzermann face à Alaynikov. Demianenko. Alaynikov. Retour d'Hermann. Alaynikov encore, le demi défensif de cette équipe soviétique, enfin défensif, c'est une façon de parler aujourd'hui puisqu'Alaynikov a pu se mêler au jeu d'attaque avec autant de brio que ses partenaires du milieu du terrain, les deux avant-pointe, Protasov et Kondratiev, faisant le reste. Gavrilov, Gotsmanov, Gavrilov, Alaynikov. Des possibilités avec qui? Avec Gavrilov? Non. Retour de Schellibaum. Et 10 minutes à jouer. 4-0. La défaite la plus lourde avec celle concédée à l'Espagne à Genève en mai 84 de l'ère Wolfisberg. Une défaite qui sur le plan comptable à part les buts n'aura qu'une incidence très relative mais qui sur le plan alors du moral et des illusions créées par les victoires, la victoire en Norvège et la victoire contre le Danemark, sera très très difficile à supporter. Et Ludy perd le ballon, Protasov, Cherenkov, lui n'a pas marqué puisqu'il vient d'entrer à la place de Kondratiev. Inalbon. Gaïa.
Geiger pour Brachler. Geiger se porte sur la gauche, mais Brachler l'ignore. Tente le 1-2 avec Brière qui remet beaucoup trop loin. Brière, Schellibaum. Rierli, Brachler. Nevsky, ça repart, Tcherenkov. Belanov. Belanov, il a Inalbon devant lui, au centre, qui Gudi. Il renvoie pas très bien d'ailleurs. Herman, puis Demianenko. Il y a parmi les, disons, 70 000 spectateurs qui ne fassent mine de quitter le terrain. La fin de l'après-midi ici à Moscou est plutôt agréable, ensoleillée. L'URSS mène par 4 buts à 0. Le match a perdu tout son intérêt puisque les efforts des Suisses sont laborieux et vains dans cette deuxième mi-temps où l'Union soviétique laisse un peu aller. Mais personne ne bouge dans le stade Lénine. Savoureront la victoire de leur équipe nationale jusqu'au bout. Les spectateurs de ce stade immense et pas tout conçu pour le football. Herman. Schellibaum qui a réussi son débordement. Schellibaum qui a tenté tout à l'heure sans succès, mais cette fois-ci a réussi son débordement pour adresser un centre qui a été repris par la tête de Ferli, je crois. Pas de quoi inquiéter trop d'Assaïef à 6 minutes de la fin de cette rencontre. Coup franc pour les Suisses par Egli. Herman, Brachler, retour à Herman, intervention de Larionov, toujours Brachler, c'est de ce côté-ci que peut venir le danger avec Brachler et Schellibaum. Brachler n'a pas passé face à Wisniewski, mais la balle a été sortie par Wisniewski. Brachler. Einzermann plutôt, qui va tenter une touche très longue. Rotasop, il est seul, sont deux avec lui maintenant. Ils sont venus très vite, possibilité de but pour Gavrilov peut-être. Gavrilov, c'est allé, un homme seul. C'était Tcherenkov, dont c'était le premier tir en direction de Engel. Kotsmanov, ça n'est pas fini. Kotsmanov entre deux Suisses, entre deux défenseurs suisses. Et faute commise à 20 mètres sur Tcherenkov, vraisemblablement. Non, ce n'est pas lui. Alainikov plutôt. Coup franc pour l'Union soviétique, 40e minute. Pour Gavrilov, Ferli. Wisniewski. Non, pas d'offside. Oui, finalement. Selon le juge de touche. Eh bien,
sera pas facile de se refaire un moral avant d'aller à Dublin dans un mois. Jouer contre l'Irlande, qui n'a fait qu'un petit 0-0 contre la Norvège hier. Cherenkov, sur lequel se précipite Inalbon. Cherenkov et Inalbon met en corner. Un mois, ça ne sera pas de trop pour essayer de se refaire une santé avant d'affronter l'Irlande. Là, le match aura une certaine importance. Attention à Gotsmanov. Verli. Geiger. Quand même dans l'incapacité de franchir les Suisses, premier rideau rouge constitué par les attaquants. Très longue balle d'Engel, la tête de Maté. De 3 minutes de jeu maintenant. Il y a tout de même dans le public des gens qui se déplacent maintenant et qui semblent vouloir quitter le stade Lénine. Larionov, appel de balle sur la gauche, on n'a pas vu de quel joueur soviétique. Gavrilov, qui sert de plaque tournante là au milieu de son équipe, entre sa ligne intermédiaire et ses attaquants de pointe, avec beaucoup de lucidité d'ailleurs. Rachler, dernier rush du Saint-Gallois, poursuivi par Wisniewski. Au terme de ce match, la Suisse restera en tête de son groupe avec 4 matchs 5 points devant le Danemark, 3 matchs 4 points, l'Union soviétique 4 matchs 4 points, qui précède la Norvège 5-4 et les Irs 4-3. Il n'a pas très très bonne mine aujourd'hui le leader du groupe, mais en fait sur le plan comptable, 4 matchs 5 points c'est encore acceptable et ça n'hypothèque pas trop les chances pour le Mexique, encore qu'il puisse paraître déplacé de parler de Mexique au terme d'une exhibition aussi catastrophique que celle produite par la Suisse en première mi-temps face à l'Union soviétique, dont il faut tout de même peut-être rappeler qu'elle est balle chaude devant Dassaïev pour Brière, dont il faut peut-être rappeler qu'elle est vraisemblablement en train de retrouver une équipe de grande qualité. Aujourd'hui, elle a fait une première mi-temps assez époustouflante ici au stade.